si les couleurs d'origine. Bonne chanson, mais ça oui, fait plaisir. C'est tout le travail de Jean-Philippe Houdin, notre réalisateur. Et de l'auteur de la chanson aussi, éventuellement. Mais oui, et puis évidemment, bonjour, tout le travail d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy. Bon, bah, ça tombe bien parce qu'on va parler de quelques machines, nouveaux cris. C'est ce qui vient de sortir. Parce que la foire de Paris vient de fermer ses portes. Oui. Et vous avez déniché le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui. C'est ça. En matière d'électroménager. Oui, c'est le grand prix de l'innovation qui est toujours consacré à l'électroménager. La foire de Paris, c'est vraiment le plus grand centre commercial. Hein. C'est 1800 exposants, 3500 marques, 600 000 visiteurs. Si vous n'avez pas pu vous y rendre, nous sommes là pour vous informer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut bien comprendre que les produits dont il est question aujourd'hui commencent à peine leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont été sélectionnés pour, à l'occasion de la Foire de Paris et de ce Grand Prix de l'innovation, une sélection donc réalisée par un jury d'experts. Et ensuite, il y a évidemment le lauréat. Mais en dehors de ce lauréat que nous avons réussi à filmer également, vous allez voir toute une série de produits qui sont innovants, dans la mesure où ils sont utiles, évidemment, ils sont pratiques, ils facilitent la vie du consommateur, mais en plus, quelquefois, ils sont sains. Je vous donne juste un exemple. Généralement, on lave notre linge à 30 ou 40 degrés. Alors, le linge est propre, mais pour autant, moi, je trouve qu'il n'est pas forcément sain. 30 degrés, ça n'est pas beaucoup. C'est un peu faible, la température. Eh bien, vous avez un lave-linge qui assainit le linge dès les basses températures sans ajout de produits chimiques. C'est ça que j'appelle un appareil électroménager sain. Qui sera dans le commerce, qui est déjà alors, voilà, dans le commerce. Ce sont des produits qui démarrent leur vie. Donc, soit ils viennent d'arriver en rayon, soit ils vont prochainement arriver en rayon. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va vous faire profiter de ces innovations à l'image. Regardez. La sélection de cette année a été pour nous sur des critères d'utilité, vraiment importants, d'écologie, sain pour la planète et utile pour le consommateur, puisque les objets sont passés du connecté gadget parfois inutile au connecté utile pour tous au quotidien. La particularité de ce réfrigérateur, c'est qu'il intègre deux appareils photo. L'un qui est dans la porte, l'autre à l'intérieur. Il va ainsi photographier l'intégralité du contenu du réfrigérateur. Ensuite, il envoie les photos dans mon application. Comme ça, quand je fais mes courses, je peux savoir exactement ce que j'ai ou ce qui me manque dans mon réfrigérateur. Avec une table classique, le principal risque lors d'une cuisson de liquide, c'est le débordement. En activant ce nouveau capteur sur cette nouvelle table, la table contrôle la montée en température et contrôle surtout le maintien en température de la température présélectionnée. Ainsi, tout débordement est évité. Ce lave-linge, grâce à l'ajout d'un traitement à l'oxygène actif au programme de référence, vous permet d'assainir votre linge, de le débarrasser de tout ce qui est bactéries et germes à basse température, à 20 degrés, sans produits chimiques ajoutés. C'est particulièrement intéressant pour les personnes qui sont allergiques ou les foyers ayant un enfant en bas âge. C'est le premier aspirateur balai qui nettoie à la vapeur et aspire en même temps tous les sols durs, qui va vous permettre d'éliminer 99% des germes et des bactéries sans détergent et donc vous donner un nettoyage parfait en deux fois moins de temps. Il s'agit d'un purificateur d'air qui fait aussi ventilateur. L'air est aspiré par la base, il passe au travers d'un filtre qui retient tout ce qui est particules fines comme la fumée de cigarette, le pollen, la moisissure. L'air est ensuite projeté par ici et il est donc purifié. Le Grand Prix GPI d'or cette année a été attribué à un congélateur-réfrigérateur qui a son système de réfrigération en dessous, donc gain de place puisque vous n'avez maintenant plus le système derrière, vous pouvez coller votre réfrigérateur et évidemment écologiquement un gain d'énergie très important apporté par ce nouveau système. Alors Isabelle, votre podium à vous. Mon podium à moi, j'ai été très sensible d'abord à ce lave-linge parce que c'est important d'avoir du linge sain. Donc il y a ça qui m'a bien plu et puis les deux frigos. Les deux. Celui qui a le système réfrigérant en dessous, parce qu'effectivement, c'est un gain de place très intéressant pour ranger les ingrédients bio de M. Beccaro, d'abord. Et puis le deuxième, c'est vrai, enfin, je ne sais pas, moi, je ne sais jamais ce qu'il y a dans mon frigo. Quand vous allez faire les courses, vous vous rendez compte qu'il manque tel ou tel produit alimentaire. C'est quand même assez sympa. Et tout est évidemment connecté. Ça devient la base aujourd'hui.
Voilà, et tout ça, c'était à la Foire de Paris. Oui. Rendez-vous l'année prochaine, et puis très très vite, évidemment, dans Télématin. Merci beaucoup, Isabelle.